Bonjour, nos chers élèves. Je vous présente aujourd'hui une leçon de base de données destinée pour les élèves de la 4e année sciences informatiques. Notre leçon sera une introduction aux bases de données, dans laquelle nous allons voir qu'est-ce qu'une base de données et quelques notions relatives aux bases de données. Nous allons voir également les intérêts de l'utilisation d'une base de données, la notion de système de gestion de base de données. Et nous terminons la séance par un récapitulatif des principales notions présentées dans ce cours et que vous devez retenir. Avant de voir qu'est-ce qu'une base de données, savez-vous qu'est-ce qu'une donnée? Une donnée, c'est la couleur d'une voiture. C'est la forme d'une table. C'est le prénom d'un élève. C'est la date d'un examen. Une donnée sera donc tout détail permettant de décrire un objet, une personne ou un événement. Tous les jours et à tout moment même, nous cherchons, nous collectons, nous rassemblons des données avec tous nos sens. Ces données sont transférées à notre cerveau qui les analyse, les classifie, les transforme et les enregistre. En quoi ces données peuvent être utiles? Eh bien, ces données sont utilisées pour mieux connaître des objets ou des personnes, pour mieux comprendre des événements ou des phénomènes, et surtout pour prendre de meilleures décisions. Vous vous demandez peut-être si ce n'est pas la définition de l'information ce que je viens de dire. Eh bien, vous avez raison, les deux notions sont très proches. Une donnée, comme je l'ai dit, est un détail. Donc, une seule donnée peut être peu significative, mais rajoutée à d'autres données, et surtout dans le même contexte, donne naissance à une information. L'information qui est la base de tout raisonnement, traitement et prise de décision pour toutes les activités et dans tous les domaines. Je prends par exemple un établissement comme votre lycée. Dans cet établissement, on connaît le nom de chaque élève, le prénom, la date de naissance, les élèves de chaque classe, les classes de chaque section, le nom de chaque professeur, sa spécialité, le nom de chaque matière enseignée, le coefficient de chaque matière enseignée pour chaque niveau et pour chaque section, l'heure de chaque cours, la durée de chaque cours, le numéro de chaque salle, le type de chaque salle, la date de chaque examen, l'heure de chaque examen et la note de chaque élève dans chaque examen. Donc toute cette collection de données formée peu à peu, c'est ce qu'on appelle base de données. Cette base de données va nous permettre de faire les inscriptions au début de chaque année scolaire. Donc, établir les emplois de temps pour les élèves et pour les professeurs. Donc, faire le suivi des absences, planifier les examens, calculer les moyennes après la récupération des notes de chaque trimestre. Ces moyennes seront ajoutées à cette collection de données pour servir plus tard au calcul de la moyenne annuelle qui sera à la base de plusieurs décisions telles que le passage d'un élève d'un niveau à un autre ou bien l'orientation. Donc, ça veut dire qu'il faut enregistrer toutes les données nécessaires au traitement, tous les résultats d'un traitement pouvant être utilisés dans d'autres traitements sur des supports de stockage permanents, ce qui garantit leur non-volatilité, leur disponibilité pour plusieurs utilisateurs et différents traitements, donc leur persistance. Donc, pour voir l'utilité maintenant des bases de données et l'intérêt de leur utilisation, je vous propose l'activité suivante. Un libraire décide de gérer par ordinateur l'ensemble des livres dont il dispose dans sa librairie. Quel logiciel lui recommandez-vous? Un logiciel de traitement de texte ou un tableur? Pourquoi pas? L'un de ces logiciels va lui permettre de dresser une liste contenant dans chaque ligne le code du livre, le titre, l'année de son édition, l'éditeur, le téléphone de l'éditeur pour le contacter en cas de besoin,
et le nombre d'exemplaires de l'édition. Donc, il va pouvoir ajouter autant de livres qu'il le veut, là où il veut. Il peut trier, il peut chercher pour modifier ou supprimer, mais toute cette souplesse peut cacher des problèmes, tels que par exemple, en ajoutant un livre pour un éditeur dont on a déjà ajouté un livre, il réécrit une fois de plus le nom de l'éditeur et son numéro de téléphone, comme vous le voyez ici sur l'extrait de la liste. Donc, deuxième livre édité par le même éditeur, un troisième livre et un quatrième livre et peut-être plus. Donc, ces valeurs répétées augmentent le volume de données, donc la taille du fichier. On peut voir se répéter quelques lignes, les lignes plus que aucun contrôle automatique n'est fait sur la présence d'un livre sur la liste avant de l'ajouter. Les lignes répétées augmentent aussi le volume de données. Donc, finalement, le libraire peut espérer ne pas être obligé à mettre à jour manuellement le nombre d'exemplaires suite à chaque opération de vente ou de réapprovisionnement. Donc, y a-t-il une solution pour remédier à tous ces problèmes? La programmation, bien sûr. Donc, la programmation qui va permettre de vérifier l'existence d'un livre avant de l'ajouter. Elle va permettre d'imposer des contrôles pour la saisie de certaines valeurs. Elle va permettre la recherche multicritère pour la modification ou la suppression de plusieurs livres et peut prévoir un changement automatique ou bien une mise à jour du nombre d'exemplaires suite à chaque opération de vente ou de réapprovisionnement. Mais le nombre de livres peut être limité par la taille de la structure si on choisit les tableaux. Quant aux enregistrements et fichiers, donc, ils sont utilisés exclusivement pour le programme qui les crée. C'est-à-dire, si un fichier est utilisé par un programme, aucun autre programme ne peut y accéder, ce qui va nous obliger de déclarer les mêmes structures et saisir les mêmes données dans différents programmes, ce qui donne une redondance. La redondance augmente le volume de données. Toutes les opérations de modification, de suppression, d'ajout prennent beaucoup de temps. Donc, et peuvent conduire à un ensemble non cohérent de données si elles ne sont pas faites pour toutes les copies. Donc, nous sommes face à un problème de redondance, un problème de mise à jour et un problème de non-cohérence qui sont dus à l'utilisation de la même structure pour les données décrivant tous les sujets intervenant dans l'activité. Donc, y a-t-il une solution pour rectifier tous ces problèmes? Donc, la solution, c'est l'utilisation des bases de données. Comment? Eh bien, la base de données va essayer de réorganiser les données d'une autre manière et va utiliser les réseaux informatiques pour les mettre à la disposition de plusieurs traitements et plusieurs utilisateurs. Donc, pour l'organisation, la base de données met les données de chaque sujet à part, comme vous allez le voir dans l'animation suivante. Donc, nous allons saisir les données qui sont présentes pour chaque livre, le titre, l'auteur, l'année d'édition, le nom de l'éditeur, son numéro de téléphone. Donc, pour tous les livres. Maintenant, les données propres au livre vont être mises dans une structure indépendante qu'on appelle livre par exemple. Donc, les données propres aux éditeurs vont être mises dans une structure appelée éditeur. Et, bien sûr, les années d'édition seront mises aussi quelque part. Ce qui donne une structure
livre et une structure éditeur contenant respectivement les données propres au livre et les données propres aux éditeurs. Et pour les années d'édition, où est-ce qu'on doit les mettre? Et puis, comment retrouver l'éditeur d'un livre donné ou les livres d'un éditeur donné comme on le faisait dans l'organisation précédente? Rappelez-vous de l'extrait de la liste. Eh bien, il ne faut pas chercher ailleurs. La base de données vous donne la solution. On peut générer une structure indépendante à partir de la structure livre et éditeur contenant le code du livre, le nom de l'éditeur, l'année de son édition et même le nombre d'exemplaires. Cette structure, on peut l'appeler édition par exemple. Donc, nous allons pouvoir donc, mettre nos livres un à un donc, dans les lignes de cette nouvelle structure. Okay. Vous avez ici le premier livre avec son éditeur, l'année de son édition et puis le nombre des exemplaires. Okay. De même pour le deuxième, l'année de son édition et le nombre d'exemplaires de l'édition. De même pour le troisième, voilà, donc le nombre d'exemplaires, le quatrième, le cinquième et notre sixième livre. Ainsi, nous aurons toute la liaison entre le code livre, entre les livres et le nom de l'éditeur. Ainsi, nous aurons toute la liaison entre les livres et leur éditeur dans cette nouvelle structure. Donc, si on a à modifier une donnée concernant un livre, nous n'avons qu'à le faire dans la structure livre. Si un éditeur change de numéro de téléphone, on le modifie une seule fois, c'est-à-dire dans une seule ligne dans la table éditeur. Et pour l'édition, elle nous donne une idée sur chaque édition. Comme vous voyez ici, par exemple, pour le livre, donc, dans le code E12AT1, on le voit apparaître deux fois dans cette structure pour représenter deux éditions différentes du même livre. D'après cela, une base de données sera donc une collection structurée de données non redondantes relative à un ensemble de sujets et aux relations qui peuvent les concerner, enregistrées sur un support de stockage permanent pour garantir sa disponibilité. Les données d'une base de données sont regroupées suivant leur appartenance à un sujet ou à une activité commune. Les données décrivant un même sujet forment une entité. Chaque entité sera décrite par un ensemble de données, propriétés, appelées attributs. L'ensemble des valeurs d'un attribut forme un domaine. Les données décrivant une liaison entre les différents sujets forme une association. L'intégration des liaisons, c'est le point fort des bases de données et constitue son premier intérêt. Ce qui veut dire que dans une base de données, nous allons voir toujours des entités et des associations. Revenons à l'exemple de l'établissement de tout à l'heure, nous allons trouver une entité classe et une entité élève. Les deux entités sont reliées entre eux, puisque une classe est formée par plusieurs élèves et un élève appartient à une classe. Nous allons trouver une entité professeur, une entité matière, une entité salle. Donc chaque professeur enseigne une matière pour une classe dans une salle. Donc ainsi, donc on identifie un cours. Donc, cours est une association puisqu'elle fait intervenir quatre entités de la base. Donc, les salles elles-mêmes peuvent contenir l'animation pour des clubs. Les clubs forment une entité dans la base. Les salles peuvent aussi être sujets d'une autre relation. Donc, les salles peuvent contenir
l'animation pour des clubs. Donc, et les clubs sont animés dans une salle. Donc, chaque salle peut contenir l'animation d'un ou de plusieurs clubs. Les élèves participent à ces clubs. La participation est une relation entre les élèves et leur club. Un club est formé par plusieurs élèves et un élève participe à un ou plusieurs clubs. Donc, c'était le premier intérêt de l'utilisation des bases de données. Le deuxième intérêt, donc, c'est l'utilisation des réseaux informatiques pour partager les données entre les différents utilisateurs et les différents traitements. Donc, les données seront saisies et enregistrées dans une structure centrale appelée serveur de données et les utilisateurs peuvent y accéder à travers leur connexion. Donc, cette centralisation de données va pouvoir séparer les données des traitements et ajouter les conditions nécessaires pour assurer la validité des valeurs, la distinction entre les occurrences et la définition des liens entre les différents sujets de la base, ce qui donne un maximum de cohérence et d'intégrité pour les données. Maintenant, vous vous demandez sans doute comment créer une base de données. Eh bien, la création d'une base de données se fait en deux étapes. La première étape, c'est l'étape de la conception, c'est-à-dire l'étude de l'activité sujet de la base et la représentation de ses entités et ses relations ou bien associations par un ensemble de conventions appelées modèles de données. Donc, depuis la naissance des bases de données, quatre modèles ont été utilisés. Le modèle hiérarchique, le modèle réseau, le modèle relationnel et le modèle orienté objet. Pour nous, nous allons utiliser le modèle relationnel pour la suite des cours des bases de données. Deuxième étape, c'est l'étape de l'implémentation, c'est-à-dire la création physique des données de la base qui se fait moyennant un logiciel appelé système de gestion des bases de données. Donc, le système de gestion de bases de données va permettre à l'utilisateur de créer et manipuler la base à travers le système d'exploitation. Ce logiciel permet à l'utilisateur de créer la base de données, comme je l'ai dit, c'est-à-dire créer les différents objets de la base et lui donne la possibilité de les modifier. Il va lui permettre de manipuler les données de la base, c'est-à-dire ajouter des données à tout moment, modifier les valeurs déjà saisies et faire des recherches suivant ses besoins. Donc, il va lui permettre également d'administrer la base de données, c'est-à-dire créer les utilisateurs et leur attribuer des privilèges ou des droits d'accès sur les objets créés dans la base, donc pour donner un maximum de confidentialité pour les données. Le SGBD doit offrir aussi les outils nécessaires pour assurer la sécurité de fonctionnement de la base, c'est-à-dire sa résistance aux pannes logicielles ou matérielles qui peuvent survenir. Bien sûr, toutes ces fonctionnalités vous seront encore plus détaillées pendant les prochaines séances. Maintenant, nous allons passer aux notions à retenir. Okay. Vous allez choisir à chaque fois la notion qui correspond à la définition affichée. La première, les données sont saisies une seule fois et peuvent être utilisées par plusieurs programmes et plusieurs utilisateurs. S'agit-il de la notion de redondance, centralisation ou persistance ? Voilà. Donc, ça ne peut pas être la redondance, puisque la redondance signifie la présence de plusieurs copies de la même donnée. Donc, ça ne peut pas être aussi la persistance, puisque la persistance, c'est la sauvegarde et la disponibilité des données. Donc, ça sera sans doute la centralisation. Donc, deuxième définition.
La base doit reproduire la réalité de l'activité dont elle représente. S'agit-il de la persistance, de la cohérence ou bien de la sécurité de fonctionnement? Vous l'avez deviné sans doute, ce n'est pas la persistance, donc ce n'est pas non plus la sécurité de fonctionnement qui veut dire, comme je l'ai dit, d'assurer l'état fonctionnel de la base donnée en dépit de tous les problèmes liés au matériel ou au logiciel. C'est la cohérence, bien sûr, et l'intégrité des données, donc qui sera réalisée par la description fidèle des sujets, l'identification de chaque occurrence de chaque sujet, la définition donc, des conditions permettant la validité des valeurs et la définition des relations entre les sujets. Troisième définition, la capacité de sauvegarder les données et de les retrouver d'une manière fiable, c'est-à-dire sans perte ou changement. C'est la confidentialité, la persistance ou bien la cohérence et l'intégrité. Vous l'avez deviné sans doute, donc ça ne peut pas être la confidentialité puisque la confidentialité c'est donc donner les droits d'accès aux utilisateurs pour garantir ou bien pour maîtriser l'accès des utilisateurs aux données. Donc ça ne peut pas être la cohérence. Donc la cohérence, c'est la reproduction de la réalité dans la base de données. Donc ça ne peut être que la persistance donc, des données, qui veut dire sauvegarde et disponibilité. Suivante, l'ensemble des données décrivant un sujet donc, est appelé association, entité ou bien attribut. Donc, je vous donne le temps pour réfléchir. Donc, ça ne peut pas être l'association, puisque l'association, c'est la description d'une activité entre les sujets. Ça ne peut pas être un attribut. L'attribut est une seule donnée qui décrit un objet, donc ça ne peut être que l'entité. Comme on l'a vu, donc l'entité livre qui regroupe l'ensemble des données décrivant le sujet livre. Définition suivante. Ensemble de données décrivant une activité entre les sujets de la base de données. Est-ce que c'est une entité, association ou bien un attribut? Je vous donne un temps pour réfléchir, bien que c'est évident. Donc, ça ne peut pas être l'entité, puisque l'entité, c'est l'ensemble de données décrivant un même sujet. Ça ne peut pas être l'attribut, puisqu'un attribut est une seule donnée. Donc, ça doit être l'association. Donc, comme on a vu dans l'exemple des livres, donc pour l'association édition qui regroupe l'ensemble des données décrivant l'édition. Donc, le code du livre, le nom de l'éditeur, l'année de son édition et le nombre d'exemplaires. Définition suivante. Ensemble de conventions utilisées pour représenter une base de données. Est-ce que c'est une entité, attribut ou bien un modèle de données? Donc, lequel sera la bonne réponse? Ce n'est pas une entité. Ce n'est pas un attribut ou bien des attributs. Donc, évidemment, c'est le modèle de données. Donc, l'attribution des identifiants utilisateurs ainsi que leur droit d'accès aux données de la base. Donc, est-ce qu'il s'agit de la sécurité de fonctionnement, de la centralisation ou bien de la confidentialité? Voilà. Ça ne peut pas être la sécurité de fonctionnement, ni la centralisation. Bien sûr, c'est la confidentialité. La confidentialité, donc, est assurée par l'attribution des droits d'accès à chaque utilisateur. Il faut rappeler qu'à la création d'un utilisateur, aucun droit d'accès ne lui est attribué, même pas la consultation des données. Okay. Huitième définition. Même données retrouvées dans plusieurs structures de données,
Est-ce qu'il s'agit de la centralisation, de la persistance ou bien de la redondance? Ce n'est pas la centralisation. La centralisation, c'est le fait de créer les données dans une structure centrale et de régler l'accès à ces données à travers le réseau et les droits d'accès. Ce n'est pas la persistance. La persistance, c'est la sauvegarde et la disponibilité des données. C'est sans doute la redondance. Donc, on arrive ici à la fin de notre leçon. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.